mon humain a acheté un fer à lisser. Je vais l'essayer. Comment on arrête ça? Ouf. Heureusement que la batterie était faible. Gwen, t'es la meilleure. N'oublie pas notre première sortie demain. Nous sortirons tout le grand jeu, ok? Je n'ai pas assez d'émoticônes pour vous montrer à quel point je suis impatiente de vous voir enfin. Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée à toi d'oser. Alors VIP Pets. Club VIP Pets. Un petit peu de ça. Ce slime est trop cool. Non. Maintenant, je fais quoi? C'est le drame. Oh, je suis encore en retard. Bonjour, tonton. Je suis là. Ah ah. Salut, oncle Fabio. Désolé. J'ai trébuché et... Pas de soucis. Pour moi, le plus important, c'est que tu sois venue m'aider. Tu es ma nièce préférée. Mais je suis ta seule nièce. Ah, vraiment? C'est parti! So cool! La première arrivée. Hey, salut Taylor. Je suis Gwen. J'adore tes cheveux. Ah, merci. Tu es très gentille, Gwen. Les amis, j'y suis presque. C'est juste que je n'ai pas pu trouver le Wi-Fi. Peut-être qu'à la place de Lady Gigi, on devrait t'appeler Lady Wi-Fi. Hey! Bonjour à toutes les beautés! Mon humain a brûlé ses cupcakes, mais je pense que nous pouvons encore les manger. Merci! Ils sont... très bons! Je suis ravie! Enfin! J'avais tellement hâte de toutes vous rencontrer! On ajoute des œufs de caille brouillée, du savon à vaisselle, 2 tranches de mortadelle. D'après la recette, ce shampoing fait maison nettoie tout. Et là, c'est le drame! Incroyable! J'étais appelée avant! Waouh! Regarde ces vagues! Et les reflets! C'est qui son coiffeur? J'ai besoin de lui! Elle vient de là-bas! Quoi? Il doit y avoir une autre entrée! Venez! Mais il n'y a rien ici! Seulement des plats! Et les accessoires d'un vieux salon de coiffure! Oh, il n'y a rien à voir ici! Taylor, tu vas bien? C'est incroyable! Vous devez essayer! Juliette! Taylor! Alexia! Lady Gigi! Gwen! Salut! Quelle belle casquette tu portes! Salut! Ouais, c'est pas mal, mais je préfère ton look. Je n'y suis pour rien, c'était... Chut! C'est un secret! Eh bien, c'est un ami qui s'occupe de notre look. Quel ami? Un ami merveilleux! Ouf! C'est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée! Tu ne peux pas imaginer à quel point notre ami est doué avec le peigne. Il n'y a personne comme lui! Regarde le résultat! Nous? Oui, nous sommes un petit groupe d'amis. Je vais te les présenter. C'est Taylor, Juliette, Alexia, Lady Gigi... Et puis, moi-même, je suis Gwen. Salut, je suis Nila. Qu'est-ce qui ne va pas? Je viens d'avoir un petit accident avec mes cheveux. Ce n'est rien du tout. J'ai failli me faire manger les cheveux par un fer à lisser ce matin. Tu es si jolie, tu n'as même pas besoin de te coiffer. Allez, enlève cette casquette. Non! C'est une catastrophe!
Et je fais quoi maintenant? Tu n'as pas à avoir honte de quoi que ce soit. Tu es un petit toutou très spécial. Peu importe à quoi tu ressembles. Mais pour y remédier, il n'y a qu'une seule solution. Mais est-ce en danger? Oui, ça l'est. Ne t'inquiète pas. Je n'en suis pas si sûre. Allez! Waouh! C'est super! Génial! Waouh! Il y a tout ce qu'il faut ici. Un poste de coiffure, une unité de lavage, une salle d'attente. Et voici le paillettisateur. Salut, je suis Fabia. Tu es revenue si vite, Gwen. On a un petit problème. Pour ça, je ferais peut-être mieux d'appeler mon oncle... Fabio! Eh bien, qu'avons-nous ici? C'est que j'ai eu un accident avec... Du slime? Tu n'as pas à me le dire. J'ai vu toutes sortes de choses dans les cheveux. Sauce au curry, gomme, chocolat praliné... Une fois, on a même eu deux petits toutous collés ensemble. Et elles sont reparties tranquillement, chacune de leur côté. À l'unité de lavage! Et tu vas voir ce que je peux faire. Ne t'inquiète pas, Fabio est un génie. Regardez la superbe coiffure que Fabio a fait à notre nouvelle amie. Mila, tu es magnifique. Bienvenue dans le groupe. Coiffure stylée, à toi d'oser. Nous sommes les VIP Fest. Alors VIP Fest. J'adore tes tableaux, Alexia. Mais personne n'est venu. Je suis encore plus démodée que les mèches blondes. Je ne peindrai plus. On doit lui remonter le moral. Ce n'est pas le bon moment pour prendre des photos, Lady DJ. Vous allez voir, cette exposition va être un succès. Alors, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP, Pets, VIP, rejoignez-nous, VIP. Ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée à toi d'oser. Alors VIP Pets. Presque peintre. Je ne suis qu'une artiste ratée. Voyons voir. Ouf, ouf, c'est génial. Plus de 200 likes pour mon exposition sur Instadog. Ouf, je suis une star. Ouf, ouf. Ces likes n'étaient pas de trop. Ne t'inquiète pas, on voulait juste lui remonter le moral. Regarde, elle écrit. Merci, followers. C'est clair que vous avez un excellent goût. On dirait que ça marche. Pour que vous puissiez continuer à apprécier mon art avec plus de tableaux. Ah, oh non, mais qu'est-ce qu'on va faire? Rien du tout. Tu vas voir, elle va juste oublier. C'est relaxant. La musique classique nourrit l'âme. La musique pop nourrit le corps. Regardez comme je déchire avec ma nouvelle coiffure. C'est cool, hein? Allez, Kiara, rejoins-moi. Hein? Beaucoup mieux. J'ai faim. Arrêtez! Vous allez couper mon inspiration! Je dois tout finir pour ma nouvelle exposition! Ouf! Ma petite patte s'est engourdie! J'ai presque fini! On ne bouge plus! Pas encore! Hein? Personne n'aime mes tableaux! Ouf! Je suis une ratée! Je ne peindrai plus! Ouf! Et maintenant? Laisse-moi réfléchir. Non, non, non. Toi, on ne veut plus de tes idées. Qu'est-ce que c'est? Wow! Quel beau pinceau!
Oh! Il y a un mot! Le meilleur cadeau que l'on puisse t'offrir. Un pinceau avec ton nom dessus et une dédicace spéciale de la part de tes amis pour que plus jamais tu n'oublies que chaque jour, tes tableaux remplissent notre monde de couleurs. Je n'ai plus de couleurs pour personne maintenant! Oh non! Elle nous a renvoyé le pinceau. Et maintenant? Je ne sais pas, mais il faut se dépêcher. Alexia vient de mettre tous ses tableaux en vente sur de pâte en pâte. Ça devient sérieux. On ne peut pas la laisser faire. Attendez, j'ai une idée. Je vais essayer d'acheter tous les tableaux qu'elle vend. Tu es dingue. Tout est vraiment super cher. Vous verrez. Salut Alexia, je suis intéressée par ton annonce. Rencontrons-nous. Maintenant, allons voir Fabio. Regardez, c'est la danse du serpent. Super mouvement, 10 points. Et ça, c'est un demi-plié. Je vais te donner un meilleur score puisque tu as vraiment essayé. Ouf, ouf, Fabio, on a besoin de toi pour nous rendre belles. Les gens ne sont jamais à l'heure. Où est le petit toutou que je devais rencontrer? Oh! Salut Alexia! Regarde ça! N'est-ce pas inspirant? Non! Je ne peindrai plus jamais! Admirez la magie de mes cheveux! Laissez-moi tranquille! Non! Trop de beauté! Je ne veux pas peindre! Si tu aimes vraiment la peinture, alors tu dois peindre! Peu importe ce que les gens pensent! C'est vrai! Tu as raison! Mais je n'ai plus de matériel pour peindre! Il te manquait ça! Le meilleur des pinceaux! De la part des meilleurs amis du monde! Ne bougez plus! Wow. J'ai fini! Elles sont géniales! Mais tu n'as pas l'air au top! Ne t'inquiète pas, je vais aller voir Fabio! Ruff, 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 ruff. Salut Fabio, j'ai besoin de ton aide! Oh, c'est terrible! Viens ici! Salut! Tu es sûrement Alexia l'artiste? Oui! Et qui es-tu? Je m'appelle Kara et mon rêve, c'est de devenir actrice. C'est notre petit chien. On essaye des nouveaux looks sur elle tous les jours. Mais maintenant, c'est ton tour. C'est parti! Et maintenant, la touche magique. Exhibition style. Wow, tu es si mignonne. Ouf, je sais quoi faire avec tes tableaux. On a fière allure. Ruff, ruff. J'adore ça, Alexia. L'exposition va être géniale. Les gens ont hâte de rentrer. C'est super. On a juste besoin d'autre chose. De quoi? De musique. Ouf, 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 ouf. Ah, ouf. Trop bien! Alors, via Bipette! C'est parti pour le record! Waouh! Ah, c'est quoi son problème? Laisse-la tranquille! Waouh! Regardez! Une compétition de skateboard! Et il y a une catégorie canine! Je dois y participer! Je vais aller chercher mon skateboard et m'entraîner! Houston, nous avons un problème. C'est qui, Houston? Laisse tomber. Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée à toi d'oser. Allô, VIP Pets. C'est bizarre. Pourquoi Taylor n'est pas connectée? Je pense...
pense qu'on ne verra pas Taylor ces jours-ci. Pourquoi ? Elle s'entraîne beaucoup pour sa compétition. J'ai entendu dire que le record du monde est de 3 loopings et demi. Oui, et elle veut en faire 4. C'est impossible. Mais c'est son rêve, non? Eh bien, si elle se donne à fond, alors nous devons la soutenir. Ouais, l'amitié, c'est la chose la plus importante. Ruff, ruff. Avec tous ces loopings, ses cheveux ressemblent à des spaghettis. Salut Clara, Taylor s'entraîne toute la journée. Elle est vraiment motivée. Je vous l'avais dit, ce n'est pas la bonne commande. Ce spray est spécialement conçu pour les chiens athlètes. Je ne peux pas l'utiliser. Tonton, juste achète-le. Il sera parfait pour les cheveux de Taylor. Elle pourra l'utiliser quand elle réalisera ses figures. Oups, une seconde. Tu penses que je devrais le garder? Bien sûr, tonton. Essaye-le. Allez. Waouh. Même une tornade ne pourrait pas te décoiffer. Ah, je ne vois rien du tout. Salut, c'est Gwen. On est en train de se faire une session bien calée chez moi. Tu viens? Je suis désolée les filles, mais je ne suis pas d'humeur. Qu'est-ce qui ne va pas, Taylor? C'est à cause de la compétition? Oh, je dois encore m'entraîner. Je suis toute décoiffée et je ne peux pas continuer à m'entraîner comme ça. Mais si je m'arrête maintenant, je ne pourrai pas gagner la compétition. Je veux rester seule. Pauvre Taylor, on doit faire quelque chose. Nous devons appeler Fabia et Fabio pour qu'ils essayent de régler son problème. Elle ne peut pas concourir comme ça. Salon de coiffure, FNF, bonjour. Chiara, on a besoin d'un rendez-vous de toute urgence. C'est pour Taylor. C'est une question de vie ou de mort. Fabio! Je me suis beaucoup entraînée. Je veux réaliser 4 loopings et remporter le prix. Mais ses cheveux m'empêchent de voir et je n'y arrive pas. On peut utiliser le nouveau super spray. On verra. On doit d'abord ranger tout ce désordre. Et maintenant, le super spray. Skater style. Oh, la compétition va bientôt commencer. Tu as de la chance. Tes amis ont appelé juste à temps. Qu'est-ce qui ne va pas, Taylor? Tu n'aimes pas? Non, ce n'est pas ça, Fabio. Mes amis me manquent tellement. Je les ai abandonnés à cause de l'entraînement. Nous, les athlètes de haut niveau, sommes vraiment seuls. On doit faire quelque chose. Les filles, on vient de régler le problème de Taylor. Maintenant, c'est à vous de jouer et d'aller à la compétition pour la soutenir. Cette fois-ci, Fabia a raison. Allez, les VIP pets. Cette fois-ci? Comment ça? Mesdames et messieurs, et dans la catégorie canine, en direct de Glam City, voici Taylor. Oh non, où sont mes amis? Ok mon ami, arrêtons ça. Nous vous rappelons que les photos avec flash ne sont pas autorisées. À la demande générale, nous donnons à Taylor une nouvelle chance. Taylor! Trop contente que vous soyez là. Vous m'avez manqué. Tu t'es entraînée tellement dur, Taylor. Saisis ta chance. Ha!
Les juges ont pris leur décision. La première place est attribuée au premier toutou qui a réalisé 4 loopings, Taylor. Ah. Oui, d'accord, mais tu as vraiment failli tout gâcher avec ton flash, Lady Gigi. Le plus important, c'est que Taylor soit récompensé pour son travail acharné et son entraînement. Non, le plus important, c'est la leçon que j'ai apprise. Je n'aurais jamais pu y arriver sans mes amis. Eh bien, ce n'est pas juste un simple trophée. Voyons voir ces friandises. Sont-elles comestibles? Waouh! C'est très bon! Désolé les filles, je dois faire un tour aux toilettes. Merci beaucoup les amis. Je ne laisserai plus jamais une compétition passer avant notre amitié. Oh! Hein? Waouh! Regardez! Une compétition de surf! Et il y a une catégorie canine! Il faut que je participe! Ouf, ouf, ouf. Salut les filles! J'ai comme une impression de déjà vu. Quoi? Laisse tomber. Salut les filles, le cadeau de Juliette est presque prêt. Je vais vous montrer. On ne voit rien du tout, Alexia. C'est super, non? Le titre, c'est « Nuit d'anniversaire à Glam City ». Ça vous plaît? Je l'adore. Moi aussi, j'ai préparé un cadeau pour Juliette. J'ai composé une chanson. Mais je bloque un peu sur une rime. Vous avez un mot qui rime avec mannequin? J'ai préparé une séance de yoga relaxante pour Juliette. Oh, oh! Écoutez-moi! Fête d'anniversaire à la plage dans une heure! Je viens juste de l'annoncer et on a déjà 40 confirmations! Hello, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures! VIP Pets, VIP Pets, soignez-nous, VIP Pets! Toujours ensemble, nous sommes inséparables! Le gâteau est enfin arrivé! Fête d'anniversaire! Les filles! S'il vous plaît! Aidez-moi! Oh oh! Joyeux anniversaire, Muriel! Muriel? C'est qui Muriel? On m'a envoyé le mauvais gâteau! C'est horrible! Si tu le lis en bougeant la tête, on ne remarque presque pas le nom. Par contre, ça donne le tournis. Mais je ne peux pas fêter mon anniversaire avec le gâteau d'une autre. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui avait fêté son anniversaire avec le gâteau d'une autre. Et le lendemain, elle est allée chez le coiffeur, a eu des mèches blondes par erreur et a dû garder sa tête pendant 3 mois. C'est la malédiction du gâteau échangé. Ton gâteau doit sûrement être à la boulangerie. On passera par l'entrée des animaux et on vérifiera tous les gâteaux sans se faire remarquer. On y va. Oui, oui. On tourne ça à gauche, on pousse ça à droite, 2 petits coups et... On devrait appeler un professionnel. Ma chère, on n'a pas besoin. Je suis le professionnel. Mais tonton, je pense que... Voilà. Maintenant, testons-le. Kiara, s'il te plaît. Et si on l'essayait sur quelque chose d'autre d'abord? Oui, bonne idée. Cette serviette est un peu humide après avoir séché les cheveux de Kiara. C'est bon. Ça a séché en 3 secondes. Alors, c'est qui le génie? On ne trouvera jamais le gâteau à temps. Au revoir, cheveux soyeux. Bonjour, mèche blonde. Allez, ça ne doit pas être si compliqué. On doit juste trouver le gâteau avant la fête. On a encore un peu de temps. Ça va être un vrai désastre. Non, on va le trouver. Combien d'anniversaires peuvent bien avoir lieu en même temps et le même jour à Glam City? Juste quelques-uns. Il suffit de se séparer et d'aller sonner aux portes. Je suis sûre qu'on le retrouvera. On est les VIP Pets, pas vrai? Ok, oui! Allons chercher ce gâteau! J'ai compté plus
plus de 30 anniversaires dans une seule rue. J'ai souhaité un joyeux anniversaire à une Buriel, Luriel et Juriel. Ne t'en fais pas, Juliette. On va bien finir par trouver une solution. Je crois que j'ai une idée pour régler ce problème. Je vous envoie l'adresse. Ouais. Aouh. Voilà le plan. Si on ne peut pas trouver le gâteau, on va changer le nôtre. Waouh, c'est une super idée. J'ai tout ce qu'il nous faut pour faire ça. Je dois réparer ça avant que tonton ne revienne. C'est fantastique. Oh, il arrive. Et cette technique s'appelle le rinçage Fabiolus. Tonton, tes cheveux sont mouillés. Oh! Je vais arranger ça avec la machine. Tonton, je pense que... Quoi de mieux que de tester les réparations que j'ai réalisées moi-même? Un coup de sèche-cheveux et un grand ouragan pour le salon de Fabio. Marche, s'il te plaît, marche, s'il te plaît. Alors? Génial! Ça a marché! Bien sûr que ça marche! Maintenant, je vais essayer de réparer l'électricité et les tuyaux. Je suis le meilleur! Le meilleur! Ouf! Là, c'était moins une. Le gâteau est prêt. Il est superbe! Oh non! La fête va bientôt commencer et on ne peut pas y aller couverte de crème. Vite! On va aller au salon de coiffure et le gâteau doit être livré en colis prioritaire. C'est bon! Ouais! Les VIP pets n'abandonnent jamais! Allez, Juliette! Vas-y! Les filles, j'apprécie beaucoup vos efforts, mais c'est impossible que Fabio s'occupe de nous toutes! Il ne s'occupe pas de nous, Juliette! C'est ton anniversaire aujourd'hui! Et toute l'attention te revient! Mais... Oui! On s'aime toutes beaucoup et on est les meilleures! Mais on n'a pas le temps là! Pas le temps du tout! Ah! Oh! Ouais! Fabio, j'ai besoin de toi! Oh! Ok! Birdie style. Oh, quel joli look. Voilà le gâteau. Oh non, le transport a abîmé le gâteau. Regardez le gâteau et regardez vos têtes. Mais pourquoi tu rigoles? C'est terrible. Ton anniversaire est ruiné. Quoi? Mais c'était le meilleur anniversaire du monde. J'ai passé toute la journée avec mes amis. Allez les filles, amusons-nous. Au fait, Juliette, je t'ai fait un dessin. Oh, et j'ai préparé un cours de yoga rien que pour toi. Et je t'ai écrit une chanson. Ok les filles. Plus jamais de gâteau. Alors, VIP Pets! Salut tout le monde! Aujourd'hui, c'est une super journée! Salut les VIP Pets! Vous êtes prêtes pour le festival de musique? On va danser! Nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures. Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures. VIP Pets, VIP, rejoignez-nous, VIP Pets. Toujours ensemble, nous sommes inséparables. Coiffure stylée, à toi d'oser. Alors VIP Pets. DJ Gwen. Vous voyez, j'ai souligné tous les groupes que j'aimerais aller voir au festival. Je commencerai par celui-là. Doc's Farm. Je préfère les groupes plus joyeux. Est-ce que tu connais Mokijo? J'aimerais de la musique qui nous fasse danser. DJ Dance est la meilleure. Super à la mode. On va voir des groupes super cool. Mais on va voir que la musique la plus à la mode en ce moment, c'est la trap. Peu importe. Je dois aller voir DJ Dance. Est-ce que tu vas aller au festival? Je n'aime pas trop la foule. Moi, j'adore les festivals. Quand j'étais jeune, enfin plus jeune, je voulais aller à tous les festivals. Oui. Ça devait être il y a longtemps, dans une galaxie très très lointaine. À l'époque, j'étais le coiffeur des meilleurs artistes. Vraiment? Bien sûr.
C'est moi qui ai créé les mèches crêpées. Et puis tout le monde les a copiées. Oui, bien sûr. Et tu as aussi créé le fer à lisser. Oui, et maintenant, tout le monde l'utilise. Quelle star célèbre as-tu coiffé? Des tonnes et des tonnes. Je te montrerai des photos un jour. Mais je ne pense pas vraiment que la trappe soit à la mode. Je n'aime pas trop ça. Ce qui compte, c'est qu'on y aille ensemble, pas vrai? Nous sommes les vieilles pipettes, pas vrai? Pas de drame. Et pour notre dernier concert, DJ Dance. Dansons! Je ne vois rien du tout. Il y a trop de monde. Rien du tout. Je vois beaucoup de jambes. J'aurais dû aller au concert de trap. Même si on ne voit pas la scène, au moins on peut danser. Et si on allait grignoter quelque chose? Non, allons trouver une bonne place pour le prochain concert. Attends, on a beaucoup de temps avant que ça commence. Et je dois manger pour avoir un peu d'énergie. Et moi, je veux publier une photo de mon repas sur Internet. Il n'y a que des jambes sur les photos que tu as prises. Mais on ne pourra rien y voir du tout. Mais on ne pourra rien voir non plus si on a trop faim et qu'on s'évanouit. Ne criez pas! Vous me stressez là! Oh, oh! Respirons un bon coup. On est en train de s'énerver et ça ne sert à rien. Ça suffit! J'ai vraiment trop faim! Hein? Ok les filles, on a mangé, bu un peu d'eau de la fontaine. Est-ce qu'on peut retourner au concert? Oh, je ferai bien du shopping. Ou aller chez Fabio. On va faire un tour chez Fabio? On ira chez Fabio plus tard. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je viendrai bien, mais mes petites pattes n'en peuvent plus. Je préférerais aller à Central Pet. Ouais! Allons au cinéma! Oh non! Je lui ai dit, tu vas gérer! Et je ne savais pas que tout le monde continuerait d'en parler pendant des années! Alors, c'était la première avec les mèches crêpées? La première! Et tu as créé ce style! J'adore ça! Dis-m'en plus! Dis-m'en plus! Tu as déjà vu des crêtes iroquoises punk? Maintenant, il va dire qu'il les a créées! Eh bien, je les ai créées! Il y a quelques années, j'étais à Londres et... Je n'ai rien pu voir du tout. Il y a trop de monde. Oh, ces concerts ont transformé mes cheveux en une vraie crinière de lion. Ah! Fabio, j'ai besoin de toi. Eh bien, viens! Je vais me faire coiffer. Mais qu'est-ce que c'est que cette tête? Est-ce que tu as vu ta DJ préférée? Elle n'est pas encore passée sur scène, c'est la toute dernière. Mais c'était un désastre. Je n'ai même plus envie de la voir maintenant. Je dois faire quelque chose. Mais quoi? Ah! Je sais! Je vais te faire un look de concert. Je l'ai fait uniquement pour des occasions spéciales. Disons que c'est un look unique avec lequel tes rêves deviennent réalité. F&F, entièrement naturel, 100% original et c'est une formule secrète. Ah oui? Je dirais juste que grâce à ce look, ta DJ préférée fait encore de la musique. Je n'arrive pas à y croire. Normal. DJ Dance! C'est exact. Tonton, je t'aime vraiment, mais personne n'y croit. Essayons au moins. Concert style. Je pense que c'est bon. Ce style est tout simplement parfait. Wow, j'ai adoré le film. C'était génial. Vous avez vu? Hein? Cool. Chouette. Trop bien. J'adore ton look. Wouf, wouf, wouf. Allez les filles, on retourne tout au concert. Mais il y a trop de monde. On ne verra rien du tout. Ne vous en faites pas. Suivez-moi et vous allez voir. On dirait DJ Dance. Elle a la même coiffure. C'est une star. Regardez, tout le monde nous laisse passer. Ouais, la piste est à nous. Cool. Oh, oh. Pourquoi elle raconte des histoires? Et où est le fer à lisser? Hein? Hein?
tout ça était vrai? J'en reviens pas! Eh bien, pas tout! En réalité, DJ Dance n'est pas devenue célèbre grâce à mon look. Et pourquoi? Elle est devenue toute seule. DJ Dance avait juste besoin de confiance en elle, tout comme Gwen. Le premier rang, on a réussi! Coiffure stylée, à toi d'oser! On a les vieilles qui pèsent! Ouais! Alors, via Pipette! Ouais, Alexia! Le marché aux puces est ouvert depuis une heure! Si on est en retard, on n'aura pas ce beau collier qu'on a vu! Salut! Qu'est-ce qui presse? Ce marché aux puces n'est même pas cool! Et en plus, j'ai un ami qui travaille dans un autre qui est beaucoup mieux! Ah! Mais d'où vient cette plainte? Je n'ai pas envie d'y aller! Pas du tout! Alexia! On t'attend depuis une demi-heure! Tu ne peux pas nous faire ça! N'exagère pas! Si tu veux bien m'excuser! Et maintenant, tu vas au salon de coiffure? On est censé aller au marché aux puces! Quelle mouche l'a piqué! Allô, nous sommes les chiens les plus cools et nous adorons les coiffures! Ensemble, nous vivrons des milliers d'aventures! VIP Pets, VIP, rejoignez-nous, VIP Pets! Toujours ensemble, nous sommes inséparables! Coiffure stylée, à toi d'oser! Alors, VIP Pets! Plus jamais de plaintes! C'est bientôt mon tour! Doucement! Il faut attendre son tour! Vraiment, c'est de plus en plus long dans ce salon de coiffure! Et pourquoi tu dis ça? Vous mettez une éternité à me coiffer! Ce n'est pas vrai du tout! On est toujours très rapide pourtant! Eh bien, je pense que vous mettez beaucoup trop de temps! Je m'ennuie! Je suis désolée, Alexia! Mais là, tu m'obliges vraiment à utiliser ma super lotion anti-plante! Qu'as-tu mis dans mes cheveux? Ça sent mauvais! Mais qu'est-ce que c'était? La lotion. Et dès maintenant, à chaque fois que tu vas te plaindre de quelque chose, un bip va sonner. Tu peux pas faire ça! Alexia, arrête! Vous savez quoi? Je m'en vais plus! C'est le plus beau des colliers! Oui, mais on a pu en avoir qu'un seul. Mais on a dit qu'on se le partagerait, pas vrai? C'est vrai! On doit tirer les noeuds au sort! Quelqu'un d'autre devrait l'avoir en premier. Ça ne me dérange pas d'être la dernière. Super! Voyons voir! Gwen, retire le collier et tirons les noeuds au sort! Où est-elle? Tout va bien, les filles. J'imagine qu'elle le ramènera demain. Le lendemain matin. Salut, les filles! Prêtes pour le tirage au sort? Alors, qui prendra le collier aujourd'hui? Une seconde. Je voulais justement vous parler du collier. Je crois que je devrais le garder. Quoi? J'en ai plus besoin que vous pour mes concerts. Il me donne un look parfait. On en trouvera un autre que vous aimerez. C'est pas juste. Ce collier était pour tout le monde. C'est pénible. Je n'en veux plus. Juliette, toi aussi? Gwen, s'il te plaît, donne-moi le collier. Et je vous le donnerai à tour de rôle. Si j'entends une autre plainte, lotion super secrète et bip pour tout le monde. Non, pas les bips. J'espère que vous avez bien dormi. Eh bien, pas vraiment. On est allé au marché aux puces et il ne restait qu'un seul collier. Et là, c'est le drame. Moi, je suis dans une situation compliquée. À chaque fois que je me plains de quelque chose, un horrible bip sonne. Aidez-moi! C'est vraiment pénible! Les filles, je sais comment résoudre le problème d'Alexia. Allons toutes à la plage. Je vous raconterai tout là-bas. Les filles? Fabia? Fabio? On dirait qu'il n'y a personne. Oh! Le collier! Cool! Bon, les filles, j'ai besoin de toute votre attention, s'il vous plaît. Aidons Alexia à arrêter de se plaindre tout le temps. Bien sûr, mes pointes sont trop sèches. Beaucoup trop de stress. Pour qu'Alexia soit plus positive, il faut lui rappeler les choses qu'elle aime et comme ça, elle va arrêter de se plaindre sans arrêt. Allez, réfléchissons. Voyons voir. Réfléchissons. Au lieu de se plaindre pendant qu'elle attend son tour au salon de coiffure, elle pourrait penser à la magnifique coiffure qu'elle va avoir. C'est une bonne idée. C'est ça. Mais il va nous falloir plus d'idées. Appelons Alexia. Salut Alexia. Je t'envoie des photos de ce que tu aimes pour que tu puisses les regarder
au lieu de te plaindre de tout. Oh. Message. Oh, des peintures, des couleurs. J'adore ça. Rouf, rouf, rouf. Comme c'est joli. Je ne pipe plus du tout. Merci à vous, les filles. Eh bien, le problème d'Alexia est réglé. Donc, qui prendra le collier aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il y a? Le collier, il a disparu. Quelqu'un l'a pris. Quelqu'un est passé par l'entrée secrète. Il n'y a qu'un suspect. Alexia a pris le collier après qu'on l'ait aidé. Quoi? Non, rien, rien du tout. Mais pourquoi a-t-elle autant changé? Mais qu'est-ce qui cloche avec Alexia? Ouf, qu'est-ce que c'est? Salut les filles, j'espère que les colliers vous plaisent. Vous vous souvenez quand je vous ai parlé de mon amie qui travaille au marché aux puces? Eh bien, je lui ai donné le collier et il nous en a fait un chacune et avec nos couleurs préférées pour les meilleurs amis. Et si ça ne vous dérange pas, j'ai une dernière chose à faire. Rouf, rouf, rouf. Creative style. Lotion enlevée. Je peux te faire confiance? Plus jamais de plainte maintenant? Oui, bien sûr. Se plaindre, c'est vraiment pas cool du tout. Et n'avoir qu'un seul collier n'était pas si cool non plus. Oh non, le bip. Tu es bien sûr que cool n'est pas une plainte? Bien sûr que ce n'est pas une plainte. C'était juste une blague.